Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez courte je pense. Donc on est samedi soir, pas très tard, il doit être 20h je sais pas exactement, avec Jules qui est derrière, voilà. Et on fait un petit peu de photos dans Dijon, donc on est actuellement à l'auditorium de Dijon, donc c'est l'opéra, c'est assez stylé. Et du coup voilà, on fait un petit peu de photos longues et voilà, on va s'amuser un peu, on va vous montrer un peu ce qu'on fait. Move to noises with your best friends and tell the world about it. Jules qui médite. C'est-à-dire que pour le moment on fait que de la merde, enfin moi en tout cas, et c'est chiant. Non mais t'inquiète pas, c'est pareil. Le problème c'est que actuellement les appareils qu'on a, on les connaît pas trop, donc c'est pas facile. Donc surtout expérimenter la nuit sans avoir l'affichage du haut, ça c'est chaud. Voilà. Faut le dire. Et puis on galère un peu, il fait pas chaud en plus, il mouille un peu. Ouais, moi je suis en train de mouiller et j'ai froid et j'ai faim. Oh, petit fragile un peu. Non mais du coup pour l'instant on n'a pas fait grand chose, c'est dommage, on a du mal à faire ce qu'on veut. On va continuer et on va voir ce que ça va rendre. Moi j'ai envie d'essayer plein de trucs, donc je vais aller faire ça. Et puis, limite ce qu'on veut faire c'est peut-être se déplacer. Et moi je vais aller essayer de faire là-bas les photos. Ouais. Donc l'auditorium qui est juste derrière là, que vous pouvez voir, c'est génial. C'est impressionnant. Du coup au niveau photo je pense qu'il y a pas mal de trucs. Bonjour à tous, voilà, alors c'est Barberousse. Alors j'ai piqué un peu la GoPro à Flo, donc comme vous pouvez le voir derrière moi là, on est en train de continuer de prendre 2-3 photos. On a réussi à trouver un joli spot avec l'auditorium. On peut voir qu'il y a quand même une belle architecture à Dijon. Bah non mais des fois voilà, faut quand même le préciser. Et du coup ouais, on est quand même plutôt pas mal ici. Si on se met pile au milieu de la voie de tram. Là du coup on est en dessous d'un creux quoi, donc franchement c'est super sympa. Il fait quand même assez froid, c'est assez chiant au niveau des doigts parce que du coup on a les doigts qui font un peu mal quoi. Mais bon ça passe, il y a pire. Donc comme vous pouvez le voir là sur cette petite photo, donc c'est de l'expo longue, donc je vais vous expliquer vite fait comment on fait parce que c'est bien sympa. Ça rend des effets plutôt pas mal. Donc en fait pour faire ce genre d'effet, il suffit de prendre une photo sur plusieurs secondes. Donc je vais vous montrer sur le réflexe, bon je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent. Donc je me mets en mode photo. Et comme vous pouvez le voir sur les paramètres, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai réglé ici le temps d'obscuration à 5 secondes. Donc c'est-à-dire que ça prend une photo sur 5 secondes. Ce qui va permettre de capter toute la lumière d'un véhicule, par exemple du tram là, c'est ce qu'on est en train de faire, sur 5 secondes. Les ISO. Les ISO ils sont au minimum, c'est ce qui capte la lumière, donc c'est au minimum parce que sinon ça fait une photo beaucoup trop lumineuse comme on prend sur 5 secondes, donc on met au minimum. Et l'ouverture je suis à 10 pour, en fait j'ai réglé pour avoir la meilleure lumière possible sur 5 secondes avec 100 ISO. Bon mais du coup, comme vous pouvez le voir, s'il te plaît. Du coup, comme vous pouvez le voir, on n'est plus du tout. Je recommence. Du coup, comme vous pouvez le voir, on n'est plus du tout à l'auditorium. On est en train de bouger vers Darcy, donc on a pris la voiture et là on va essayer de faire un petit peu de photos à Darcy. Je pense que ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et puis surtout il y a énormément de monde. Il y a énormément de monde aussi. Énormément de casse-couilles. Du coup on va voir ce que ça donne et puis on vous dira, vous verrez ça par la suite. Alors du coup comme vous pouvez le voir, je rentre déjà. Le poteau il est déjà parti, il est rentré chez lui. Du coup on n'a pas fait grand-chose, on n'a rien fait pratiquement. Parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, les lumières sont pas top, il y avait pas grand chose à prendre à Darcy comme à l'auditorium, donc c'est dommage. Voiture, merci. Donc c'est dommage. Du coup, je retrouve la voiture. Du coup, bon ben voilà, c'est tout pour cette petite soirée, cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
Du coup, je vais balancer quelques photos à la fin que vous allez pouvoir voir, et puis j'espère que ça vous aura bien plu. Si vous... Alors, where is la voiture? Je ne sais plus où je suis garé, c'est génial. Alors du coup, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, petit pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner, puis à partager, comme ça, ça me fera énormément plaisir, puisque j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, et puis que ça me ferait énormément plaisir d'en avoir un peu plus. Et sur ce, du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!